C'est l'instrument de sourire. Il faut savoir sourire pour en jouer. On est en 1976, et je suis tombé par hasard sur le groupe qui s'appelait Los Ringos, et il y avait Gilbert Favre, qui lui est un Suisse allemand, mais qui a émigré en Bolivie, on va dire, comme ça, et qui joue cette musique-là, qui jouait cette musique-là, mais moi, quand j'ai vu ça, ça m'a tapé là. Une philosophie de la vie, oui, oui, une tranquillité. Gilbert, pour moi, c'était un dieu. Non, Gilbert, c'était vraiment quelqu'un de bien. Il y avait le feeling, le son, le feeling, la propreté de... À travers une propreté de son, tu respectes les autres. Et Gilbert, je crois que c'était ça. C'est respecter les autres. Gilbert, il y avait une espèce de fugue, de fureur. Et j'ai toujours voulu avoir le même son que lui. Tu peux avoir 50 Kenny's devant toi, il y en a un, tu vas le reconnaître, ça sera Gilbert, quoi. Et c'est vrai que j'ai couru après ça. J'ai eu la chance, dans ma vie quand même, je reconnais, de jouer avec ce gars-là et d'être allé en Bolivie avec ce gars-là. Ouais, c'était génial. Mais je crois que c'était inné chez lui, c'était magique chez lui. Je sais pas comment t'expliquer ça. Il t'amenait le bonheur tout le temps, partout. Parce qu'il avait de bons conseils et puis une manière de voir les choses qui était... Il n'avait pas de stress, Gilbert. C'était un super pote. Je connais les Kenny's, on va dire français, tout ce qui traîne, même si j'ai lâché un petit peu depuis quelque temps, mais non. Le son de Gilbert, jamais tu vas le retrouver. La sincérité qu'il avait, l'interprète que c'était, c'est inégalable ça. C'est impossible.